Ah ouais, non, mais alors, moi je fais des coms. Je t'avoue, si on pouvait faire. J'en ai acheté, une vingtaine de coms là. Mais pourquoi t'en as acheté puisque je la craft? Ouais, coûte 60 pièces. Ouais, mais bon. Mais c'est quoi acheter quand c'est gratuit? Bah, c'est pas gratuit, hein, c'est des ressources que tu farmes. Et ta fatigue, c'est des ressources en moins pour mes crafts à moi. Oui, mais bon. Bah oui, mais ça me coûte, moi. Alors tu rattraperas ton retard, s'il te plaît. C'est gratuit? Bah évidemment que c'est gratuit, je vais pas farmer moi-même. Mais qu'est-ce que tu parlais con comme un manche? Enfin, on va être fou. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as encore trouvé? Je viens d'acheter 70 rouleaux de adhésifs. Je vais te tuer. Non, rentre pas. C'est toujours bien de l'acheter, ça. C'est valable. Par contre, les outils de crochetage, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans le jeu, ça sert à rien. Les outils de crochetage? Ouais. Alors, honnêtement, pète les safes de la même manière depuis des années. Moi, j'aime pas changer les traditions comme ça. Je te prends un bouquin. Repoussoir. Chaque tir en mode automatique a plus de chances de repousser l'ennemi. Est-ce que t'as besoin de chair pourrie? Oui, prends-en. C'est toujours utile. Même pour la bouffe. Ne pose pas de questions. C'est pour ton ragoût dégueulasse, hein? Le ragoût du vagabond? Oui. Oh, je sais bien. Je sais bien que j'en mange parce que là, mon personnage a faim, il est barbouillé. Tu vois, il y a un truc qui lui remue dans le bide. Tu vois, comme s'il avait... comme s'il avait mâché du plâtre, tu vois. Non, ça c'est parce que c'est la bière, ça. Bah non, c'est pas la bière. Écoute, j'ai bu que deux bières depuis hier. Mon personnage est en manque. Je pense qu'il fait une carence en malt. Bah si. J'ai une carence en malt. C'est très commun en Normandie. Vous avez pas ça, vous, dans le sud? Ça n'existe pas, les carences. Mais d'où tu me touches? Bon, ça doit bien exister. T'as bien épluché les chiens, en fait? Non. Évidemment. Allez, on creuse. Mais... Ah putain, mais il y a encore plein de zombies sur le parking. Oh là là, mais ça repote tout le temps. Je crois que c'est la ville qui fait ça. Ça va, je t'ennuie pas trop? Non, pas vraiment, je suis en train de creuser. Je parlais aux zombies. Ah pardon. En fait, ils me méprisent, les zombies. Moi, tu sais ce que je déteste le plus? C'est... Les enfants? C'est quand ils... Oui, au-delà. Moi, les miens encore, je les supporte, tu vois. Mais alors, ceux des autres, oh là là, quelle horreur. Après, c'est vrai que si les enfants sont épatants. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, les miens, je les tolère, tu vois. Oui. Tu vois, je les laisse respirer à côté de moi, ça va encore. Mais alors, ceux des autres, non, là, je peux pas. Et encore, hein, la loi les protège de beaucoup de choses, donc bon. Ouais, trop, je pense. Un peu trop à mon goût. Je te ferai bosser cette bande de feignasses. Surtout le petit dernier, là. C'est un tube, hein. Ça mange, ça fait caca, ça se bave dessus. C'est comme un vieux. Mais jeune. Ah, quelle horreur. Oh, tu me diras, il prend déjà le mauvais pli. Moi, à son âge, je travaillais déjà, mais bon. À la mine. D'où cette passion. Exactement. Tu es habitué à tes techniques de montage. Ouais, bah maintenant, ils sont au courant de toutes les ficelles. Avant, ils pensaient que j'étais un bon joueur, et en fait, je suis un bon monteur. C'est ce qu'on dit dans toute la Normandie. C'est ça. Et dans le pays des... Dans le pays de l'échevel de cheval, je vous prouve qu'un bon monteur, c'est bien. On est des poètes, nous. Les Normands, les poètes. Putain, j'ai viré tous les lampadaires de la ville. Il n'y a plus rien. Je vais aller démonter ce truc-là. C'était bon. Voilà. Cet homme est fou. Quoi? Quoi, tu m'as demandé de creuser? Bah, je creuse. Le truffier, quoi. Attends, je vais partir par là, moi. Attends, le bâtiment... Ouais, le bâtiment est par là, donc on peut aller par là. Faut que je la répare, cette pioche. Oh! Regardez, il y a un zombie. Et il y a un zombie qui est couché par terre. Qui fait rien. Il dort. Ah, mais il a disparu. Il a bugué. Oh!
Bah écoute, je te ramène quand même beaucoup de pierres. Hein. Je pense pas que tu vas... Enfin, tu vas tout flinguer en un coup. Quoi. C'est pas possible. Il y a une, deux, trois, quatre... Presque cinq stacks de civils. Okay. Je pense qu'avec ça... Ouais, je pense que tu as de quoi faire, là. Ouais, je suis en train de te faire du... Yep. Là, je suis en train de te faire de quoi faire tes crafts de farming pot. Ah ouais, j'en ai grave besoin par contre. Ça me saoule vite là. Ah, mais putain, mais c'est un truc de fou. Parce que en vrai, j'arrive à crafter les graines si tu veux, mais ça bouffe tellement de ressources principales que. Ah putain, les champignons, j'ai oublié de les planter, je vais me gifler. Petit bâtard. Oh, j'ai vraiment envie d'essayer de mettre des points dans le couteau, moi. Parce que ça déménage. Bah, fais ça, ouais, ça déménage fortement. Après, ça déménage, mais je pense pas qu'en. En multi, c'est intéressant. Par contre, en solo, ça doit être cool. Deux. Le couteau. Le couteau, ouais. Sauf, bon, lui, évidemment. En vrai, furtif et couteau, ça peut être intéressant. Hein. Ouais. Bah, surtout quand t'as la machette. Hein. La machette, elle fait 300% de dégâts en attaque furtive. Sérieux ? Ouais. Ça, c'est juste infâme. J'aime autant te dire que ça déboîte. Bon, j'ai ramené plein de saloperies. Et j'ai été complètement improductif pendant un laps de temps assez important. Oh, attends. Attends, Franck. Ne déclenche pas tout de suite le PO, je vérifie. Juste un truc. Oh, c'est celui où il y a les champis. Ah, yes. Alors ça, par contre, ça m'arrange. Alors là, les gens, on va être obligés de frauder. Hein. On n'a pas le choix. Ah, mais c'est vrai que je suis furtif, moi. Je peux avoir les trucs en furtif, là. T'es où ? Je suis rentré à l'intérieur, je suis au sous-sol. Mais t'es passé... Oh, bah y'a des champis ici. Voilà. Super, bah, je vais les récupérer. J'essaie de voir s'il y a pas des méchants. Voici, oh, là, y'en a un, là. Bonne chance, Jack. Ouais, t'inquiète pas, je suis... Ah, bah ça m'arrange, ça aussi. Bon, on prend. Merci, princesse. Salut, fantôme. Hello, Yag. Par où t'es passé, nom de Dieu ? Bah, je te vois. J'ai cru t'avoir vu ramasser des champis. Mais je suis passé par le sous-sol, il y a la lumière, Franck. Mais où est cette... Attends, parce que je récupère des œufs. C'est là. Je suis là. Je suis allé récupérer des œufs par la même occasion. Ouais, bah j'en profite, moi je vais prendre du ciment. Bah non, laisse-le moi. Oh, de l'acide. Oh, putain, je viens de récupérer de l'acide. Oh, du champi. Oh oui, on est sauvés. Vas-y, prends les champis, c'est pour ça que je te disais, on le fait en premier, tant pis, on fraude un peu, mais bon. Oh non, on fraude pas. Il y a une sorte de constance narrative avec les opossums. Ça commence toujours par une scène de ménage, comme un vieux couple qui n'osait pas se dire autrement qu'ils se sont manqués. C'est beau. Comment ça ? Tu m'as manqué, connard. Je t'en prie, trou duc. Arrête de me faire rire, ça fait vibrer le personnage. Et ça va faire de la mousse. Bah oui, surtout que j'ai un public globalement qui consomme énormément de bière. Donc si je les fais rire, ils vont se remuer et ça va faire de la mousse. Calme-toi, mon petit vieux. Attends, j'ai pas lancé la quête. Viens, on revient, on va réinitialiser. Y a pas des trucs ici à prendre ou pas ? Bah j'ai pris le truc qui était planqué derrière là, mais bon, après c'est pas non plus... Non, mais on prend juste ça. Voilà. Bon, bah je t'attends à l'extérieur. Ouais, est-ce que j'ai pris le cliquetis ? Ah putain, j'ai oublié le cliquetis. Le cliquetis... Ah non, moi j'ai ma clé à molette si tu veux. Ouais, bah tu me prêteras ta clé à molette, je ferai avec. Yep. Ah ouais, no problème. Bah alors attends 2 minutes, je vais te la réparer. Yes, je veux bien, parce que si en plus tu me prêtes des trucs... Ouais, bah si tu me prêtes des trucs qui sont pas réparés, c'est... Oh là, c'est un petit peu de l'abus, je trouve. Hein. Tiens, prends-la. C'est bon, c'est lancé. Arrête de gueuler, tiens. Par terre, là. Merci. Oh, je t'en prie. Bonjour. Tiens, il y en a un là-bas. Couché. Ah, il est tombé, lui. Il est tombé comme un gros caca. T'as vu comment il a volé ? C'était rigolo, hein. J'ai vu. Je te laisse ramasser les trucs. Pendant ça, je ramasse les trucs. Et du coup, on ramasse tous les deux les trucs. Putain, c'est tellement des bons plans, ça. Tu vois, ça, c'est de la synchronisation. Carrément. Non, mais en vrai, la team Opossum, c'est avant tout de l'organisation. Hein. Vous savez, dans les hashtags YouTube, je mets toujours speedrun. Hein. Et PGM aussi. Et bah, tu devrais mettre hashtag skill. Et j'ai jamais été dénoncé pour contenu frauduleux. Ouais, pas du tout. Mais d'où c'est frauduleux ? D'où ? Y a un truc à récup' là. Ouais, je le prends. Tu veux que je prenne... Attends, c'est là-dedans que j'ai eu l'acide tout à l'heure. Ah, j'en ai pas eu. Les opossums, on fait de la mousse. Voilà, c'est ça le... Oh, on a une in. Oh, elle m'a tapé. Je
Putain, je suis déjà plein. Tu sais que j'aime quand elle me tape, hein. Je suis déjà plein, Franck. Putain, bah lui, il a volé. Attends, je suis déjà plein. Putain, je suis plein, Franck. Mais genre plein, je vais essayer de faire un peu de place comme je peux. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Terminer la zone. On a rien d'autre à faire, en fait. Quoi, faut tous les tuer? Ouais, faut tous les tuer, c'est tout. C'est un petit peu classique. Ouais. Tu as trouvé quoi? Rien. T'es excité comme ça? Oh, attends. Ah, je te laisse faire. Oui, Freeman, je l'ai oublié, le mode streamer. Ah, ça grognoute, ouais. Mais ça grognoute où? Là-dedans, là. Bah, j'ai l'impression. Oh, ta copine. Bah, je sais, j'en ai déjà tué deux. Attends, attends, c'est à gauche ou à droite? Bah, je vais à gauche, voir ce qu'il y a. Ça marche. Voilà qui est un... Oh, un punk. Mais je crois qu'ils étaient censés... Merde, bouton, mais dessus, dans la cuisine. Mais il est mort. Ah, c'est bien possible. Au secours. Non, c'est bon. D'accord. Okay. Ah bah, il remonte. Bah, attends, je vais le cueillir dans les escaliers. Mais il est où, ce débile? J'entends les balles. Non, non. Mais où est le passage? Oh, j'ai déconnecté. C'est la déconnexion, Franck. Non, mais je me déconnecte, il ne s'en rend pas compte, en fait. Qui? Ben, non, rien, non. T'en as juste rien à foutre, quoi. Mais non, j'en ai pas rien à foutre. Je suis juste en train de tuer un bûcheron et un militaire. Mais t'en as rien à cirer. En plus, je me suis pété la gueule, tout le monde a rigolé. Ah bah non, j'étais déco. Donc personne n'a vu que je suis tombé comme une merde. Bah, je suis obligé de t'attendre, il y a le loot. Attends, parce que là, il y a des trucs. Attends. Il faut que je prenne quelque chose, là. Bah, je t'ouvre les caisses, par contre. Hein. Ouais, je veux bien que tu m'ouvres les caisses. Ici, il y a un... Il me faut des formes et des structures. Alors, oh, 20, c'est bien. Fait une. Oh oui. Et merde. C'est quoi? Maintenant, j'ai mis un coup dans les tuyaux. Oh, oui, tiens, attends, j'ai un plan pour toi, mon Franck. Ah bah, je t'attends, poulet. Écoute, ouais, attends, je suis dans du coup, le je te rejoins le parce que, grenier. En fait, toi, t'es parti devant, t'as même pas vu que j'ai déco, parce que voilà. Bah si, mais il faut bien continuer quand même. Oui. Bah oui, oui. Tu aurais pu m'attendre pour le spectacle, mais pas du tout. Monsieur part devant comme un foufou. Ah, voilà, hein. D'accord. Mais où c'est? Ah, c'est là, c'est bon. Tu t'en sors? Oui, mais non, je suis pas perdu. Arrêtez, je suis pas perdu. Non, mais j'ai jamais dit que t'étais perdu. Voilà. Je dis que voilà. Il est là. Pourquoi tu me pousses à la faute? Attends, comme tiens. Ça tiens. C'est pour toi. Hein? Attends. T'es où? Là, j'ai posé un truc par terre, c'est pour toi. Oh, manuel des armes automatiques. Ouais. Oh, ça c'est bien ça. Bon, écoute, j'ai trouvé des manuels aussi, mais je suis pas sûr qu'ils t'intéressent. En vrai. T'as été voir ce qu'il y a dehors? Bah non, je t'ai attendu. Tu me dis, tu m'attends pas et tout. Bah, je suis là. Oh, tiens, il y a ça pour toi. Lis-le. What? Oh, du combat urbain. Ouais, par contre, ça, je vais le laisser dedans. Si tu veux prendre ce que je laisse à l'intérieur, tu prends. D'accord, tu mets tout dans le coffre, je suppose. Ouais, tu as aussi des fournitures médicales. Je te laisse ça, et puis bah évidemment ça, je te laisse, hein, c'est ta nourriture favorite. Le monde à l'envers, Jack se met à prendre des pauses, il appelle ça la déco. Oui, mais parce que voilà. Oh, il y a une boîte de ronron. C'est du canigou. On peut passer par le toit? Qu'est-ce qu'il y a sur le toit? C'est moins bon que le ronron. Oh, ouais, me la fait pas. Moi, je vois ce genre de petits détails. Comme là, ou là. Tu vas nous faire tuer. Non, il y avait rien, en fait. Bah, pour moi, de toute façon, la quête est foirée. Bah, écoute... Ou alors, faut que je la relance, attends. Non, mais en vrai, quand t'as des coups, j'ai perdu la quête, moi aussi. Mais oui, parce qu'elle était de moi. D'accord, bah, on est bon pour la relancer. Attends, pourquoi tu l'as encore? Bah oui, mais je partage-la, moi. Ah oui, attends, je te la partage. Oh, putain, il faut qu'on Ouais, mais il faut que je vide. Bon, on l'a fait vite, alors. Oh, putain, on a de l'acide. On est bon, hein. Ah, vous ne pouvez pas explorer cette zone pour l'instant, veuillez revenir plus tard. Bah oui, parce qu'on l'a looté comme des gros chiens, bah on a qu'à aller ailleurs. Ouais, on va aller ailleurs. Je fais la deuxième qui est à 100 mètres. Bon, ok. Allez, je te suis. Bah elle est là. Oh, mais oh, c'est... Non, un vélo. Oh non, oh non, putain, non, tu sais ce que ça veut dire, Franck? Il va y avoir des chiens. Oh non, j'aime pas les chiens, putain. C'est toi qui la lance, celle-ci. Non, oh, j'ai pas envie. Ah, les membres du groupe suivant sont hors de portée. Bah non, il est à côté. Je suis là, hein. Non, tu es considéré comme hors de portée.
Merde. Bah, attends, je décoroco. Tu m'entends? Oui. J'avais peur que ton chien t'avait encore gazé. Non, non, t'inquiète pas. Si ça arrive, j'utiliserai notre signal, celui qu'on... Je t'ai invité. Non, mais en même temps, je suis pas encore arrivé. Il y a écrit construction de l'environnement. Ah merde, bah, je te vois, moi. Voilà, là, j'y suis. Ça veut dire que tu peux te faire bolosser pendant que t'es en train de te connecter, en vrai. En vrai, ça fait mal de penser à ça. Alors, attends. Vas-y. Et voilà. C'est bon. Allez, je l'active. Ouais. Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est bon. Je pense que le fait que t'as... Ouais. Tu le sens, le serpent. Ouais, ouais, je le sens complètement, là. Oh. Oh non, c'est pas juste. Oh, comment tu l'as poussé? Bah, en même temps, elle m'a tapé. Elle m'a mis un coup de tatane. Oh, la connasse. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, regarde. Bonjour. Regarde là-haut. Mais que... Bonjour. Tu peux pas attendre. J'étais en train de faire de l'observation. Regarde là-haut. Putain, j'ai des vieux freezes. Regarde là-haut. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Mais... Oh, elle m'a mis un... Oh, il y a un serpent. Ah bah, tue-le. Putain, oh, de chacal. Il est hors de portée. Par contre, il y a un coffre. Attends. Tu l'as ou pas? Non, non, il faut faire le tour. Il est en train de taper le sol, cet abruti. Oh, de l'acide encore. Oh, mais oui, ils ont augmenté le taux de loot, eh. On va pouvoir... Il est là, ton serpent. Ouais, vas-y, tape-le. Ok. Moi, de toute façon... Oui, non, mais... Quoi, une balle? Si t'appelles pas ça être un sniper? Ah oui, bah oui, un sniper à bout portant, ouais. Alors, un sniper à bout portant, j'étais au moins à un mètre. Un bon mètre. Bah putain, oui. Alors... Ah bah voilà, maintenant j'ai faim avec tes conneries. Allez, viens m'aider pour le safe. Non, mais comment tu me parles? Déjà, si je veux... Arrêtez de me faire rire, ça fait trembler la manette. Oh. Vous savez ce que ça fait, ça, après ça fait de la mousse. Oh, tu le sens, ça. Attends, mais non, je suis pas là, attends deux secondes, je suis en train de modifier mon arc. Oh, vas-y, modifie ce que tu veux. Pendant j'ai un arc en 6. Un arc en ciel, tu veux dire? Non, un arc en 6. Non, c'était nul. De quoi? J'ai rien fait, c'est pas moi. Ah, y'en a un qui arrive. Oula, dis donc, mais c'est qui court, cette bande de petits merdeux? Joli tir. Excellent. Oh, il y en a un là, j'ai vu sa tête. Oui, je sais pas, il est en train de taper comme un vieux sot. En vrai, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont sortis de la grange. Veux-tu que j'aille sniper en hauteur? Why not? Moi, je vais me balader. Est-ce que je vois des chiens? Oui, il y a des, niches là-bas. Il y a un chien, il y en a deux! Au secours, Jack! Je fais le militaire. C'est bon? Oui. Mais tu savais dit, je regarde, c'était sous-entendu, n'avance pas, je snipe. Bah, dans l'idée, bien sûr que tu regardes des du snipe, mais bon, à un moment donné, faut qu'on avance. Oui, non mais... Franck n'a aucune demi-mesure, en fait, hein, vous voyez? C'est quoi, une demi-mesure? Bah, c'est ce que tu ne sais pas ce que c'est. C'est un truc de hippie, ça, encore. Oh, c'est intriguant, ça. Non, rien du tout. Bah, en vrai... Ah, c'est par là. Oh, regardez, il y a une petite cabane à... Oh, il y a une cabane à oiseaux, Franck. C'est une connotation sexuelle? Pas du tout. Ok. Moi, j'ai trouvé la suite. Ouais, ouais, bah attends, je fouille, moi, consciencieusement. Oh, les petits bâtards. Mais où es-tu? Oh, putain, mais c'est pas vrai. Au secours! Tout est sous maîtrise. J'ai maîtrisé ces gens-là. Ok. Ah, il y a un nid. Ça veut dire qu'il va y avoir des oiseaux. Il y a des médicaments par terre. Ouais, je les prends. Je vais passer devant. T'es prêt? Ouais. Merde, je suis pas tombé. Ah bah non, il y a une échelle. Uh-huh. Ah, ça y est, je suis tombé. Ah, regarde, il y a un lit. C'est encore plus simple, non? Ouais, mais il y a une échelle. Ah bah non, il y a une échelle, oui, effectivement. Oh, attends. Quoi? Oh, il y a un flic. Attends. Tue-le. Oh bah, je l'ai vu. Ah, il y en a un autre. Attends, bouge pas. Bah dis donc, hein. Non mais qu'est-ce qui se passe, les gens? Y'a quoi là-dedans? Y'a rien du tout. Mais j'ai snipé. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a des points rouges au-dessus, en dessous? Ils sont où? Bah, il faut qu'on poursuive, je suppose. Qu'est-ce que tu fais? Attends, au-dessus, là? Mais non, ils sont pas au-dessus. Bah, il faut qu'on continue, je pense. Hein. Mais non, mais je les vois, ils sont tout près. Bah, en vrai, ils doivent être dans les pièces. Ouais, je suis sûr que c'est des serpents ou des conneries comme ça. Tu crois? Oh, ça serait relou. Je pense, hein. Je pense, hein. Ah bah, ça nous amène à l'extérieur, génial. De quoi? Bah, si tu passes par la cuisine, ça nous mène à l'extérieur. Ah, donc la suite est dehors.
Oh oui, mais attends. On a vraiment fouillé tout, tout, tout ici? Mais non, mais attends, 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 je... Sniper, mais attends. Ah, mais, bah, vas-y, positionne-toi en sniper, je vais me positionner attends, en avant. Je vais me positionner là, voilà. Oh, ouais, vas-y, prends ton temps. Je les vois pas, ils sont où? Ah bah, ils sont là. Ah bah, voilà. Ah, ça fait quoi d'être soutenu par, par une DCA de qualité? Je ne les tue pas, mais ça fait diversion. Non, non, mais ça s'est bien passé au final, hein. Ça s'est bien passé. Il y a du tout dans la discrétion, oh, regarde. Oh. Au-dessus. Ah non. Il y a... Retournez voir le marchand. Mais où est le loot? Bah, c'est la question que je me pose. Ah, regarde. Attends, 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 regarde. Ah oui. Ah. Donc il est au-dessus. Bah, regarde, il est là, je le vois ici. Oh, oh putain, nice. Tout ce qu'il y a. Eh bah, vas-y, fouille. Je t'attends. Oh, exceptionnel. Ah. Attends, j'ai peut-être un truc pour toi. Bon, on est quand même bon. Hein. Alors, n'oubliez pas, prenez des notes. Hein, bon, bah ça, je tout ce qui ça. Est skill, tout ce qui est tactique sophistiquée, surtout... Faites ne comme comptez nous. Pas sur nous. Si, si, si. Non, faites... ben, bah, si, si. Après, si vous avez des questions, ne les posez pas. Restez pudique. Non, c'est pas ça. C'est surtout, n'attendez pas une réponse. Vous pouvez poser la question, ça, y a pas de problème. Ça fait de l'activité dans le chat, c'est bon pour les stats. Ouais. Attends, deux secondes. Tu viens de jeter des sacs. Mais non, je viens de jeter des saloperies qui traînaient. Ah d'accord, ok. Après, le gun manque sévèrement de puissance. Oui, de précision, je pense que c'est la base du problème reste là quand même, hein, on va pas se mentir. Quelle humidité? Non, quelle humidité. On a chaud. On a chaud. Ah, des balles. Je prends. Putain, il y a mon chat qui a ouvert la porte du fond. C'est... Attends, il faut que je fasse un AFK, Franck. Protège mon cul. Attendez. Oui, oui, non, mais t'inquiète, je protège tes biches. Ah, le chat qui pendouille encore comme une couille à la porte. C'est un grand classique chez les opossums d'avoir des chats qui pendouillent. Comment être aussi fort que vous, alors? N'est pas possible. Nous sommes proches du génie, en fait, avec Monsieur Jack. C'est même stratosphérique, ce qu'on vous propose. Hein. Ça n'existe pas ailleurs. Voilà, ça n'existe pas ailleurs. Ouais. Je suis perdu, mais nous aussi, on est perdu. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la vie? Hein, se perdre, les gens, c'est voyager, voilà. Mais bien sûr, se perdre, c'est aussi se retrouver. Hein, notez. Ce qui est important, c'est pas le voyage, c'est la destination, ou en tout cas, c'est un truc dans ce genre-là. On est jour combien? On est jour 30. Oh putain, il y a des sacs, là. Non, mais tu vas pas faire tous les sacs poubelles, en vrai, quoi. On sait Allez, jamais. Évacuons nos culs, hein, je t'en prie. On vaut mieux que des sacs poubelles. Oh non, Jack. On vaut mieux que ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te plains? Parce qu'il faut faire le tour du POI. Oh bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, il y a des pommes de terre là. Oui, bon, bah c'est moi qui bosse quoi. Allez. Bah c'est moi qui bosse. T'as des pommes de terre, Franck, ici partout là. Ah, donne-moi des pommes de terre, elles sont où? Bah elles sont là, dans le champ. Dans le champ en fait. Ils ont mis les plantes dans le champ, c'est un truc de fou hein. Tout ça. C'est vraiment tu les vois, toi, tes patates. Non mais regardez cet homme, il n'y voit rien. Ah, complètement bigle là. Mais Jack, il y a un autre homme à côté du champ. Mais c'est moi. Putain, il y a carrément un... Je sais plus qu'on appelle ça, les vents... Non, les vents, c'est les camions pour transporter les chevaux. Non, passez-vous là. C'est pas ceux-là, c'est pas là, c'est pas là. On s'occupe de paix et de paix. Mais ça s'écrit pas pareil. Moi, bon, je vais aller vider parce que... Oh mon dieu, on a une putain de horde, yeah. Jack, ils sont nombreux. Bah, le temps que j'arrive, ils seront tous morts. Oh. Je vais essayer d'en faire un ou deux, là. Oh, il y a même une mama. Oh, elle m'a tapé chez qui? Non, mais moi je tire parce que j'ai pas le temps d'arriver sur eux, tu les tues avant. Ils étaient trop nombreux. J'ai cru que c'était la fin, Jack. J'ai mis la balle parce qu'on a entendu un « Oh !» Et honnêtement, avec un chargeur, on arrive à tuer un ou deux zombies. C'est un bon ratio. Bon, il y a encore un champ en face, ce qui veut dire que t'as potentiellement encore des... Oh, putain. Un champ en face. T'as des ah, plantes. Oui, là-bas. Ouais. J'en bah, vois je vais pas. Regarder, écoute. Hein. S'il y a du maïs, il y a un peu de maïs. Ouais, mais le maïs, je m'en fous. Du maïs, on en a en quantité astronomique. Ouais, je sais.
En parlant de gastronomie, avec tout ce que j'ai, il faut qu'on plante. Hein. Ouais. Là, je t'annonce la couleur. Ah, puis j'ai faim. Pipi. Oh, putain, comment j'ai faim. Je vais en foutre sur les murs, sur les plafonds, dans nos slips. Oh, je vais en foutre partout. Non, mais t'as raison. Il faut en mettre partout. On va voir si l'autre quête, on a la possibilité de la faire. Ça serait pas mal. Attends, c'est par là. Hein. Donc ça va bien de dire des conneries, mais si ça va là. Heureusement que je suis là pour orienter l'équipe. Hein. Sinon, on n'arriverait jamais à bon port. Hein. Et à bon port, salut. Tu l'as ? À bon port, salut. Tu l'as ? Elle est bonne, hein ? Moi, de toute façon, les blagues à base de fromage, ça me fait toujours rire. Ah oui, oh, moi, j'ai un serpent. J'ai entendu un. Oui, oh, ça va. On va pas s'arrêter pour un serpent à chaque fois. Hein. Ah oui, tiens, j'ai ça pour toi. J'ai c'est ça. Quoi ? Hop, ça et ça. Un plastron en acier ? Mais je crois que j'en ai un en plus. Ah, la composition de la. Attends, wait, parce que je voudrais. Ah, mais je l'ai déjà, la compo. Ouais, non, mais me la redonne pas parce que j'ai plus de place. Attends, parce que je suis en train de me battre avec les mods, et tu sais, à notre âge, mieux vaut faire les opérations lentement, mais penser à tout faire sans oublier d'étapes, plutôt que de vouloir jouer le mec rapide, et d'oublier Jacques, les... Oui ? Tu pourrais me rendre ma wrench ? Aïe ! Bah voilà, tu vois, ouais, je fais pas le serpent ! Bah voilà, tu t'es pris un coup dans la mouille. Voilà. Alors que... Arrête, tu le casses ! Oui. Putain, c'est pas vrai. Bah oui, et tu casses ma bike ! Eh viens, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Ah bah non, on peut pas. Veuillez y explorer plus tard. On n'a pas le droit. D'accord. Bon bah on revient plus tard. Ouais. On fait le prochain. Bah attends, parce que le prochain, on en a pas de prochain. Il est à 300 mètres. Ah bah non, c'est retourné au marchand. Bah oui, c'est ça. Quelle imitation de serpent magistral. En effet, merci beaucoup. Et puis c'est la méthode Actor Studio. Hein. C'est ça. Bon, on a appris à imiter un peu tous les animaux. Hein. Ah oui. Vous n'avez jamais entendu Franck imiter le lapin ? Ah non, mais attends, et tu sais, celui que j'imite le mieux, c'est quand même la cougar. Quand il reste immobile à bouger son nez ? Incroyable. Ah non, mais... Ah non, mais moi, je fais très très bien la cougar, si tu veux. Ah oui, mais ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Tu vois, en fait, il faut bouger un peu du fion et tu montes poussin. Ah voilà. Ouf, il y a double canon. Non, t'as mieux. Hein. Sérieux, on peut pas brûler cette bicoque de merde et tuer le trader non, et on ensuite peut pas. On peut poursuivre sa famille. J'ai déjà essayé.